précise avec de nouveaux indices. Neymar devrait arriver à Paris. Alors, regarde-moi bien ce petit PD là. Du Jean Neymar. Ce fut un plaisir immense de partager toutes ces années avec nous. Quelle merde en plus, tous ces gens. Tu sais, c'est comme. Non, les gens, je les aime bien. Ceux qui jouent au tiercé tous les jours, ceux qui jouent au foot. Merci mon frère, tu vas me manquer. L'histoire entre Neymar. Mais quel gâchis. Putain. Je crois que c'est 222 millions d'euros. Et t'imagines, tu pourrais faire des hôpitaux, des écoles, des trucs partout. Juste pour un trou du cul sur pattes. C'est de la merde. C'est de la merde. Je suis pas content. Putain, après ils vont te mettre la puce vu que ça tourne en boucle. Oui, tu reprends. C'est-à-dire 222 millions d'euros dans son intégralité. Et c'est toujours des incendies criminels. Trois départs de feu, l'autre il avait oublié un rétroviseur, l'autre il avait laissé sa loupe, l'autre il a mis son ego, c'est que de la merde, c'est pas vrai. Le Brésilien a quitté Barcelone dans un avion privé, direction Porto. Tant qu'à faire dans un avion privé. On a tous les moyens d'aller dans un avion privé, voyons. C'est comme Bettencourt. Enfin, je sais qu'une île a... J'avais pas marre de dire de la merde en boucle, sans déconner. Comment réagissent-ils ces Barcelonais ? Vous mettrez tous des claques. Eh bien, on réagit pas. Ça nous rend pas selon nos... Ouais. The Bible, c'est moi. Et puis c'est tout. Bienvenue sur BHL TV. Et puis il y a aussi un petit peu de colère. La colère de certains supporters qui appellent El Traidor, El Mercenario, le traître, le mercenaire. Et jamais, si jamais t'as jamais lu la Bible, déjà il faut pas idolâtrer. Et puis moi j'étais pas idolâtrable. Par contre, l'esprit est un puissant émetteur récepteur dans l'espace-temps, dans l'espace-le-temps à travers l'espace-temps. Hier, c'est Seigneur, Maître Tout-Puissant de l'espace et du temps à travers l'espace-temps. Tu vois le truc? Arrêtez d'être con. Des programmes de merde numériques. C'est moléculaire. Comprends ton tas de molécules, tu ne seras jamais malade. Parle à tes organes. Je veux savoir, il y a une combustion dans les yeux, il y a une combustion dans les oreilles, il y a une combustion partout. Et quand tu chies, tu rends ton rapport à la terre. Tu ne peux pas comprendre. Ce sera un petit peu pour tout le monde ou rien pour personne, parce que là il y en a marre. C'est jamais qu'un petit globule, une grosse bébête la Terre. Rien de mieux pour découvrir un pays où faire. Tu crois qu'il n'y a pas de la vie ailleurs, toi? T'en veux de la science friction? Les temples majestueux du Mexique, les plages du Brésil ou encore celles des Philippines. Depuis un an, Pauline parcourt le monde toute seule. Oui, c'est sûr, c'est beau. Sur son blog, elle partage ses périples en solitaire. Son adresse du moment, Kuala Lumpur, Malaisie. Je recherche, c'est la liberté totale quand je voyage. Donc la liberté d'aller où je veux, quand je veux, de parler à qui je veux, de faire exactement ce que je veux. Et voilà, pour moi, ça veut dire pas de frustration et pas de concession, finalement. Voyager en solo, c'est aussi ce qu'a fait Claire. Il y a 3 ans, elle prend un congé sabbatique pour partir sur les routes. Une expérience éphémère de 4 mois pour découvrir la Birmanie, l'Argentine et la Bolivie. À l'arrivée, une leçon de vie. Comment tu fais sans thune pour découvrir tout ça? Rencontrer beaucoup de gens. Mais j'ai bien envie d'aller prophétiser. J'ai bien envie d'aller. Ce que tu veux. Seulement, je peux pas le faire. J'arrive pas à le faire. Mais prends le temps de faire. Oh, maintenant. Je serais prête à repartir toute seule, sans souci.